s'arrache les rames du cul. Les grévistes ont repris. J'espère bien, putain. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de raffinerie pour que le pays puisse ramer de l'avant. Ouais. Ouais, mais c'est pas légal, non? Mais bien sûr que si, c'est légal. Qui je suis, moi, pour les empêcher de ramer plus pour gagner moins? La CGT? T'es tout seul pour ta manif? Regardez-moi ce pecno tout seul pour une manif. Pas de pancarte. C'est Martinez. Il va vous casser les couilles. Mais t'es de quel côté, toi? On t'a pas mis au courant qu'il fallait pas se pointer tout seul à une manif? Pour un cégétiste, tu me déçois. Elle est où, ta moustache? Joue pas au con. Je sais que tu planques de l'essence. Tu le dis, mais tu peux pas le prouver. Alors tu dégages de mon bateau. C'est Bolloré qui me l'a prêté et t'as rien à foutre là. Ah ouais, genre... Il te prête son bateau et il fait pas le plein? C'est un peu une pute. C'est connu. Un petit coup? À la santé du capitaine, t'en penses quoi? C'est pas parce qu'on proteste qu'on est obligé de picoler. On va encore finir par se taper dessus. Mes potes et moi, on essaie d'arrêter. Gonzesse. On me parle pas comme ça, c'est moi le patron. Tu vas trinquer. Avec cette chaleur, je sais pas si c'est très bon de boire de l'alcool, ça va nous embrouiller. Ça vous détendrait. Faut dire qu'ils ont une bonne descente à la CGT. Sans blague. Attends, c'est les inondations, ça nous a tous mis à bout. Pas que. Tu parles de la loi El Khomri. Non ! Quarante-neuf trois.